Chers amis, bonjour. Alors, dans les deux dernières vidéos, nous avons construit cette magnifique centrale solaire de jardin qui nous permet d'alimenter une pompe de piscine, de l'éclairage, dans le futur un goutte à goutte. Et pour que ce soit pas très cher, on a utilisé du matériel d'occasion ou d'entrée de gamme. Et effectivement, pour 200 euros, on a quelque chose qui fonctionne. Alors oui, ça fonctionne, mais ça a quand même pas mal de limitations. La première limitation, c'est la puissance. Là, dans les conditions actuelles, on sort 350 watts maximum en courant alternatif. Deuxième limitation, on a utilisé des batteries plomb qui ont une durée de vie de l'ordre de 300 à 500 cycles de charge-décharge. Ce qui veut dire que dans les conditions actuelles, ces batteries vont survivre un an et demi, grand maximum 2 ans. Troisième limitation, on a utilisé là aussi un contrôleur d'entrée de gamme qui est un PWM. Donc l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. L'inconvénient, c'est que le rendement est assez faible, d'autant que dans notre cas, la différence de tension entre les panneaux qui font 43 volts et les batteries qui font 24 volts est assez importante. Et puis, quatrième limitation, on utilise un convertisseur pour convertir le courant continu en courant alternatif. Et ce convertisseur, en fait, sort non pas une pure sinusoïde, mais une pseudo-sinusoïde qui ne convient pas à tous les appareils, notamment les moteurs électriques. Allez, maintenant, imaginons que je veuille un système plus puissant. On va se donner comme objectif 1000 watts en sortie courant alternatif. Je veux une meilleure durée de vie. Donc à ce moment-là, il faut que j'utilise une batterie lithium. Une batterie lithium, on va se dire qu'on veut 1 kWh d'énergie dans notre batterie. Ça va nous coûter entre 400 et 500 euros. Il nous faut un contrôleur. Donc contrôleur avec un meilleur rendement, c'est un contrôleur MPPT, ça va coûter entre 100 et 200 euros. Donc je rappelle, il faut que le contrôleur supporte les 1000 watts, bien sûr. Il faut également un convertisseur qui sorte les 1000 watts. Convertisseur courant continu, courant alternatif. Donc là, je vais en avoir pour 100, 200 euros encore. Et puis, je vais avoir tout un tas de connectiques, prises, etc. Donc là, comptons 100 euros. Ce qui veut dire que pour avoir mon système amélioré, j'en ai au minimum pour 800 euros. Maintenant, si je vous dis que vous pouvez avoir la même chose d'un simple claquement de doigts. Et voilà, une magnifique station électrique portable de 1000 watts. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Faisons un unboxing. Un manuel en anglais. Alors, ensemble de connecteurs. Connecteur allume-cigare. Ça doit se brancher sur ce transfo. Oui. Donc un transfo 220 courant continu. Et un câble qui se connecte à un panneau solaire et qui va vers la station électrique. Et plat de résistance. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, globalement, c'est la même chose que ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire une batterie, une réserve d'énergie qu'on peut utiliser aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif et qui dispose de différents moyens de la recharger. Alors Flashfish est une société qui se donnait pour mission de fournir de l'énergie aux gens qui ont des activités en extérieur. Ça tombe bien, c'est notre cas. Caractéristiques techniques très rapidement. Donc on l'a vu, ça sort 1000 watts. Dedans, il y a une batterie lithium-ion qui fait 932,4 watt-heure. Bon, autant dire 1 kWh. Elle supporte en gros 800 cycles de charge-décharge. Et l'ensemble fait une dizaine de kilos. En termes de sortie, on a plusieurs options. Option USB.
Donc là, on a deux ports QC, donc c'est Quick Charge. Donc ça, c'est pour les, par exemple, les téléphones mobiles qui fonctionnent également en Quick Charge. Donc les deux négocient pour obtenir des charges plus rapides. Et puis vous avez des sorties donc USB-C, PD, donc PD c'est Power Delivery. Donc vous voyez là qui peuvent sortir des puissances relativement importantes pour de l'USB, puisqu'on est à 60 watts. Pour ce qui est des sorties courant continu, on a des connecteurs DC 5525 de mémoire, ou alors une sortie plus classique en allume-cigare. Donc dans les deux cas, on est à 14 volts et avec 8 ampères maxi d'intensité. Et puis évidemment, ce qui est sûrement le plus intéressant, sortie en courant alternatif 220 volts et en pur sinus. Ah, et j'ai oublié, il y a aussi possibilité de charger un téléphone en sans contact. Alors pour alimenter la bestiole, on va avoir différentes options. Première option, on le branche sur le secteur avec le transfo et la prise normale. Ou alors, on l'alimente avec cette prise allume-cigare qu'on branche sur une voiture. Donc très bien pour les gens qui partent, je sais pas, faire du camping. Et puis ce qui m'a intéressé peut-être un peu plus aujourd'hui, on peut le recharger en le branchant directement sur un panneau solaire à l'aide de ces connecteurs MC4. Donc vous voyez que dans tous les cas, on est sur ce connecteur-là, qui vient là, et donc on peut charger entre 12 et 26 volts avec une intensité maxi de 8 ampères. Bon, pour finir ce petit tour rapide, on a un bouton, un interrupteur ici qui permet d'allumer l'écran. Donc l'écran fournit les informations habituelles, c'est-à-dire au niveau de charge de la batterie, puissance consommée ou puissance entrante. On a des interrupteurs pour chacune des sorties. On a des interrupteurs individuels, donc sortie USB, sortie continue ou sortie alternative. Là, on a une petite lampe donc, qui s'appelle SOS. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça s'appelle SOS, mais bon, admettons. Et puis, on a également une lampe derrière qu'on actionne avec cet interrupteur. On va retourner le truc. Voilà. Donc là aussi, il y a différents modes, clignotant, fixe, etc. Bon, vous voyez là, il est à 52% de charge. On va enlever ça sera plus joli. Voilà, 52%. Et dans le manuel, ils disent qu'il faut le charger complètement avant de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire. Je pourrais le charger avec le secteur, mais ça ne serait pas très amusant. Ce qui serait super amusant, c'est de le charger directement branché sur un panneau solaire. Malheureusement, j'ai pas de panneau solaire qui sortent entre 12 et 26 volts. Mes panneaux, moi, ils font 43 volts. Par contre, j'ai ma centrale solaire qui sort du 24 volts. Enfin, là, comme il est bien exposé, c'est plutôt du 28 volts. Bon, je vais essayer quand même, j'espère que ça va pas endommager. Bon, voyons si on fait tout exploser. Prise allume-cigare. Ah, c'est bien, il y a une petite LED sur la prise. C'est rouge, donc ça doit indiquer que ça fonctionne. Je penche là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Input 0 watts. Ah, embêtant ça. 0 watts clignotant. Qu'est-ce que ça veut dire? Surcharge peut-être? Bon, je vais faire une autre tentative, cette fois avec le transfo qui va sur le 220. Là, j'ai quelque chose. Donc il m'indique que j'ai 80, 100,
113, 117, 121, 125, 120, 133, 141, 145, 153, 100, 151 watts en entrée. Donc le maximum. Hé hey, hé hey. Intéressant. Et là, j'entends le ventilateur qui se met en route pour refroidir. Bon. Je vais demander au constructeur pourquoi ça marche pas avec mon entrée courant continu. Bon, sûrement parce que je lui envoie du 28 volts au lieu du... Alors que le maxi, c'est 26. Bon, enfin, je vais demander confirmation. Bon, mais au moins, on charge cette bestiole avec de l'énergie solaire. Et ça, c'est magique. Bon, j'espère que vous voyez... Donc là, on charge à 153 watts et on est passé de 52 à 53%. Bon, donc si on fait un petit calcul, la capacité de la batterie, enfin l'énergie totale, c'est 1 kW. Donc là, on va considérer qu'elle est pleine à moitié. Donc il faut qu'on charge 500 watts. Et là, on charge à 150 watts. Donc 500 divisé par 150. On est à peu près à 3h30 de charge. Bon, alors sur le fait que ça marche pas avec cette prise là, je pense que le problème, enfin il y a deux options. Soit il aime pas que la tension soit supérieure à 24 volts, parce que là j'ai mesuré avec l'ampèremètre, on est à 28 volts sur la sortie. Soit, ce qui me paraît encore plus probable, c'est que la puissance est trop importante. C'est-à-dire que là, on sort en 24 volts 10 ampères, donc on est à 240 watts, alors qu'il accepte en entrée maximum 150 watts. Donc c'est sûrement la raison. Alors pourquoi on n'a pas de problème là? C'est que, à mon avis, le transfo, lui, il sort maximum 150 watts, donc il prend ce qu'il lui faut sur la prise, mais donc la puissance est limitée à 150 watts et ça convient bien au power station. Bon, je vais le mettre à l'abri pendant les 3 heures de charge puisque le temps est un peu changeant. Viens là, toi. Voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais au début, je pourrais changer tout ce système là que j'ai construit par juste ça. Rien à faire. Bon, c'est un peu plus cher, mais c'est quand même le niveau au-dessus. Hein. Seul petit problème, comme mes panneaux sont en 43 volts, il faudrait que je mette un abaisseur de tension pour rentrer en 24 volts sur le power station. Bon, enfin ça, c'est pas très cher, c'est pas un problème. Bon, si vous voulez faire la même chose, c'est-à-dire charger votre power station avec un panneau solaire, bah, c'est très facile à faire. Hein. Donc évidemment, choisissez un panneau qui va bien. Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site de Flashfish et prendre le panneau dédié à cette machine. Enfin, vous pouvez aussi parfaitement prendre un panneau sur Amazon. Les seules choses auxquelles il faut faire attention, c'est que vous ayez bien 24 volts maximum en sortie de votre panneau. Et qui fasse pas plus de 150 watts. Mais ça, c'est super facile à trouver et ça coûte pas très cher. Je crois qu'on en a pour 100-150 euros, on a un panneau. Bon, le temps qu'on discute là, il est déjà passé à 55%. On va le laisser se charger gentiment et on va aborder la question des usages de cette chose. Pour ce qui concerne les usages, donc je ne vais pas parler de camping, caravaning, ça c'est des choses que je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas, vous me direz, c'est une première sur cette chaîne, mais il y a un début à tout. Bon, indépendamment du fait que les araignées semblent aimer cet appareil, la charge se poursuit tranquillement, 66%, impeccable. Premier usage, bien exactement la même chose que ma petite centrale solaire, c'est-à-dire alimenter des appareils de jardin, pompe de piscine, éclairage ou futur goutte à goutte du potager par exemple. Bon, deuxième usage,
avoir un secours en cas de coupure électrique. Donc là, avec 1 kWh d'énergie, vous avez de quoi vous éclairer, vous avez de quoi charger les portables, utiliser un ordinateur, et éventuellement, si vous avez une bouilloire pas trop puissante, donc maximum 1000 watts, vous pouvez vous faire chauffer un peu d'eau pour un thé en attendant les secours. Troisième usage pour les possesseurs de véhicules anciens comme moi, que ce soit tracteur ou même la Golf, il y a toujours, comme les circuits sont un peu anciens, il y a toujours un petit peu de fuite de courant à l'arrêt. Alors bien sûr, j'ai installé des coupes-circuits, mais je ne pense pas toujours à le mettre, et ça m'arrive de venir le matin pour démarrer, et puis ça ne marche pas, batterie à plat. Alors vous allez me dire, il y a des boosters pour démarrer, alors sur la Golf c'est jouable, sur le Zetor avec une dynamo et un régulateur, il paraît que c'est pas très recommandé. Donc je préfère quand même recharger la batterie. Donc avec le Power Station, impeccable, on prend ça, 10 kg dans la main, on pose ça près du tracteur, on branche le chargeur et hop, on recharge la batterie. Et ça, ça marche même si on est au milieu du champ là-bas. Quatrième usage, faire des travaux en extérieur. Alors que ce soit de la mécanique, que ce soit la rénovation de la maison ou que ce soit l'entretien du jardin. Et ça, on va le tester tout de suite. Bon, je reviens fin d'après-midi. Voilà, chargé 100%. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps ça a mis, parce que j'étais pas là aujourd'hui. Je l'ai juste laissé charger tout seul. Bon, je le débranche. Et demain, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Lendemain matin, toujours à 100%. Donc, ça perd pas trop pendant la nuit. Je vous propose de tester le Power Station sur des appareils de puissance croissante qui vont de 10 watts à 1200 watts. Allez, je commence par le spot 10 watts. Ok, ça marche. Alors maintenant le multi-tool. Bon bah ça marche, et sans le bruit bizarre que j'avais avec le système que j'ai construit. Je vous renvoie à la première vidéo de la série. Allez, ponceuse. Alors je vous rappelle qu'avec mon convertisseur qui fait du pseudo-sinus, elle avait refusé de fonctionner. Donc là on va voir si ça marche. Bon, bah là ça fonctionne bien. Supériorité du pur sinus sur le pseudo sinus. Alors perceuse de 500 watts. On va changer de prise. Pas de problème. Allez, 6 sabres. Là on monte en puissance. On est à 850 watts. Aucun problème. Bon, là c'est un peu plus difficile puisque la meuleuse fait 1200 watts. Donc normalement au-dessus de ce que peut faire le Power Station. Mais ça fonctionne quand même. Alors évidemment, le manuel recommande de ne pas brancher d'appareil d'une puissance supérieure à 1000 watts sur la station électrique. Mais bon, vous voyez que ça fonctionne. Et dans le pire des cas, il y a une protection contre les surintensités. Donc ça peut être intéressant de regarder la puissance réellement consommée par la meuleuse qui est annoncée pour 1200 watts. Vous voyez, il y a eu un pic à peu près à 700-750, et puis après c'est redescendu à 400 en régime permanent. Alors si je devais faire un reproche à cet appareil, c'est que l'affichage est vraiment peu lumineux, surtout pour un appareil qui est destiné à fonctionner en extérieur. Alors d'un autre côté, ils ont peut-être limité la puissance d'affichage pour éviter d'avoir une consommation à vide trop importante.
Bon, c'est bien gentil ces tests, mais seul un vrai professionnel peut valider ce matériel. La Stigette va donc essayer la station électrique avec une élagueuse de 720 watts. Trop facile. Maintenant plus difficile. Est-ce que la station électrique supporte l'utilisation d'une tondeuse de 1200 watts? Encore une fois, cela est déconseillé par le constructeur. Ouais, c'est pas mal, mais on est toujours limité par la longueur du fil. Il faudrait trouver un truc pour que la station se déplace avec la tondeuse. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà pour le test de cette station électrique portable. Alors, j'ai pas eu des mois et des mois d'utilisation avant de vous le présenter. Enfin, globalement, vous avez vu, ça fait le job. De toute manière, moi, je vais en avoir l'usage assez régulièrement, donc vous le verrez réapparaître dans les vidéos. J'ai pas relevé de défaut majeur. Bon, je vous ai parlé un petit peu de l'écran, mais enfin, c'est un point de détail. Finalement, le facteur le plus limitant que je pourrais trouver, c'est les 150 watts en puissance d'entrée. Ce qui veut dire par exemple que si vous avez une pompe de piscine, en exemple une pompe de piscine de 450 watts, ce qui est déjà une grosse pompe pour une vraie piscine, hein, pas un petit truc comme ça. 450 watts, si vous chargez à 150 watts, ça veut dire que pour une heure d'utilisation de la pompe, vous avez 3 heures de chargement. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Après, ça c'est à vous de décider. Donc prenez bien tous les paramètres en compte avant de faire un achat, la puissance de sortie, la puissance d'entrée, la capacité de la batterie, et voir si ça convient véritablement ce que vous voulez faire. Bon, de toute manière, sur le site de Flashfish, vous verrez, il y a toute une gamme de produits, des plus puissants, des moins puissants, et évidemment à différents prix. À propos de prix, combien ça coûte? Eh bien, ce modèle J1000+, puisque c'est son nom, est proposé actuellement à 559,99 €. Et en appliquant le code que vous trouverez en compagnie du lien dans la description, vous obtiendrez 15% de réduction. Et oui, c'est comme les voitures, il y a des choses qu'il vaut mieux acheter toutes assemblées que de les construire soi-même. Sur cette réflexion, je vous souhaite une excellente semaine ensoleillée et on se retrouve mercredi prochain.